Yo les gars! Wesh l'équipe, vous allez bien ou quoi? Ça dit quoi le chat? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes en forme? Gros, je suis dans un stade de foot. Attendez, je fais une petite story. Prévenir les gens qu'on est en live quand même. Bam! Dites yo le chat. Attendez, parce qu'il n'y a pas encore eu la notif. Donc là, j'ai un chat vide. J'attends. Cueillez la notif, comme ça le chat il défile de yo. Yo yo yo, Gabriel, Noah, Christian, Yacine, ça y est. La notif a été lancée, ça défile. C'est magnifique, la story est belle. Bam, let's go. Et je mets en stream avec des éclairs. Paf, magnifique. Vous allez bien ou quoi le chat? Ça dit quoi les frérots? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? Les gars, on va aller rapidement dans le vif du sujet. Parce que aujourd'hui, petit live. Voilà, petit live. Je pense que je vais faire de plus en plus ça, les gars. Parce que, enfin, en fait, je sais pas trop. Parce que faudra que vous me dites ce que vous en pensez. En gros, il y a un truc qui est un peu chiant sur YouTube, c'est que j'ose pas lancer des petits lives. C'est-à-dire que des fois, j'ai envie, genre par exemple, je suis dans mon studio, tu vois, et j'ai envie de jouer par exemple à Clash Royale, mais je sais que j'ai pas le temps de faire un live de 2h, 2h30. J'ai envie de jouer genre 45 minutes, tu vois. Et bah à chaque fois, je me dis, ouais, non, je vais pas lancer un live pour 45 minutes. Parce que le problème, c'est que ça lance une notif. Donc je me dis, ouais, ça va lancer une notif aux gens, mais le live va pas durer longtemps, ça sert à rien et tout. Mais du coup, voilà, là, je me dis, vas-y, là, en vrai, les gars, je dois partir à 15h30. À 15h30, je dois partir parce qu'après, on tourne une vidéo avec les croutons, etc. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais je dois partir à 15h30. Donc en vrai, j'ai le temps de live qu'une heure, t'as vu. Mais je me dis, ça peut être cool. Vas-y, si en vrai, si j'ai envie de lancer un live, je le lance. Et si ça lance une notif, et tant pis, c'est pas grave. Hein, j'ai envie de lancer un live, je lance. On est d'accord, c'est bien, c'est mieux. Genre par exemple, hier soir, non, pas hier soir, mais il y a genre il y a peut-être une semaine, j'étais sur le live Twitch de Dobby. J'étais sur le live Twitch de Dobby et j'avais envie de lancer un live. Parce qu'en fait, j'étais sur le live Twitch de Dobby. Je le regardais jouer à Clash Royale et je me foutais de sa gueule. Et après, j'ai fait des games contre lui. Sauf que ça a duré 45 minutes, tu vois. Mais du coup, il était 22h. Donc je me disais, ouais, je vais pas lancer un live. Il est trop tard. En plus, machin. Mais je pense que je vais faire de plus en plus ça, les gars. Quand j'ai envie de lancer un live, je lance un live et vas-y, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Tu racontes ta vie en fait. Ouais, là je suis un peu en train de raconter ma vie. Les gars, est-ce que vous êtes chaud? C'est du coup, vous avez fait quoi de beau aujourd'hui le chat? Bassirou, merci pour tes 2 euros. Merci Rockstar pour tes 2 dollars canadiens. Merci beaucoup les gars. Bref, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour rien. On va ouvrir la box Régalouze. Oh lolo. Regardez-moi ça, cette box, comment elle est magnifique. Les gars, on va ouvrir la box Régalouze. Ça fait plaisir. Le frérot Valouze, je vous mets dans le contexte quand même, ceux qui sont pas au courant. Valouze, le frérot sûr, vous connaissez tous Valouze, a lancé sa petite entreprise, Régalouze. C'est, alors si j'ai bien compris, j'ai pas tout suivi, etc. J'ai suivi, mais un peu de loin en vrai. En fait, je voulais pas me spoiler. Je voulais pas me spoiler sur le contenu de la box. Ça veut dire que là, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais que Valouze, il a déjà fait une vidéo où il ouvre la box et tout. Mais moi, je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, au moins, je vais pas être spoilé. Mais je sais qu'en gros, le but des box Régalouze, c'est en mode, il met des produits du terroir. Des trucs que lui, il avait pas forcément goûté avant. Et en gros, il fait des sessions test où il goûte plein de trucs. Et s'il y a un truc qu'il goûte, il se dit, ah, ça pourrait être cool de le faire découvrir aux gens. Bam, il met dans la box. Et du coup, là les gars, dans la box, c'est des trucs que Valouze avait envie de nous faire découvrir à moi, à vous, à tous les gens qui commandent les box Régalouze. Donc voilà, ça fait plaisir. En plus, c'est l'entreprise du frérot. Donc les gars, si jamais comme il y aura une vidéo rediff, si jamais, je vous mets dans la description le site Régalouze, si vous voulez commander vos petites box et tout, je sais pas ça coûte combien, etc. Mais voilà, je vous mets, c'est l'entreprise du frérot, c'est normal. Bref, les amis, on va ouvrir. Eh, par contre, on va pas se mytho, la boîte. J'ai l'impression, j'ai commandé une pizza, t'as vu? La boîte, j'ai l'impression c'est une boîte à pizza, frère. Je te jure, on dirait une boîte à pizza. Et on dirait aussi une autre boîte. On dirait pas. Non mais en fait, je m'étais dit un truc. Je me suis dit un truc en voyant la boîte. Je vous jure les gars, j'espère Valouze le prend pas mal. J'espère Valouze va pas le prendre mal. Mais de toute façon, c'est pas méchant. Mais en vrai, je vous jure qu'en voyant le logo comme ça de loin, j'ai l'impression
c'est une boîte à outils. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, en fait, le logo, on dirait un mécanicien, la Valouze. Je sais pas, avec sa casquette plate et le mec en train de piocher, on dirait un mécanicien qui est en train de chercher une clé de douce dans sa boîte. Après, quand tu fais attention aux détails, tu vois qu'il a un petit bavoir, tu vois qu'il a la langue sortie. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Non? Pas d'accord? Ouais, de ouf. C'est vrai que la casquette, c'est un gars de chantier. On est d'accord? La casquette, ça fait mec de chantier. On est d'accord? Ok, ça va. Je suis pas tout seul à penser ça. Ça va, ça va, ça va. Bref, les gars, aussi, j'ai appelé Valouze. J'ai appelé Valouze, j'ai dit ouais frérot, je sais, parce qu'en gros, si je dis pas de conneries, dans la box, les gars, ça va être des produits un petit peu produits du terroir. C'est-à-dire, peut-être, je sais pas, du pâté, un fromage, des trucs comme ça. Je crois que c'est des trucs comme ça. Du coup, je me suis dit, faudrait peut-être une baguette. Faudrait peut-être une baguette. Donc j'ai appelé Valou, j'ai dit ouais, est-ce que je dois acheter des trucs en particulier en plus de la box? Il m'a dit ouais, si t'achètes une baguette, c'est cool, c'est mieux. Donc j'ai acheté une petite baguette. Bon, j'ai un petit peu mangé sur la route, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai la dalle. Ça tombe bien parce que là j'ai la dalle, les gars, j'ai la dalle. Kylian, merci pour ton sub. Merci Nathan pour tes 5 euros. T'es décédé, merci mon gars pour tes 1 euro. Merci Bassirou. Bon, ouvre. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais ouvrir la box. Régalouze. La première fois que j'ai vu le logo, j'ai cru que c'était Bob le bricoleur. Mais en fait, c'est vrai que de loin, ça fait un peu comme ça. De loin, c'est vrai. Hop. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère on va se régalouze. Pas mal celle-là. Oh, wesh, le pagadine, il est trop stylé. Attends, mais il y a même écrit un truc. Il y a même écrit un truc ici. Régalouze est un voyage au pays de la gourmandise. Je vous y invite à découvrir de nouvelles saveurs, à partager des produits variés et sélectionnés avec grand soin. Wesh, attends, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Scannez le QR code à l'aide de votre smartphone afin d'accéder à la fiche de cette box. Ah, il y a une petite fiche explicative et tout. Ok, hey, c'est lourd. C'est lourd. C'est... Attendez, venez, je regarde. Je regarde. Après, ça va peut-être un peu spoil. Regalouze.fr. Ah ouais, ça renvoie vers le site. Bah attends, mais c'est incroyable. Notre sélection du mois, box janvier 2020. Oh, ok, c'est vraiment un truc qui t'explique tout ce qu'il y a. Je viens de voir tablette à la pistache. On va pas se spoiler plus que ça. Alors, oh lolo, attendez, il y a pas mal de trucs. Commençons. Attendez, on va un peu tout découvrir et après on va goûter. On a des mini focaccias au romarin. Ok. Alors, je vous dis la vérité, ça me donne pas très envie. ça me donne... Bah, en fait, d'apparence, il y a un peu rien qui me donne envie. Mais on va voir. Ok, c'est des petits gâteaux. Ok, petits biscuits, on va voir. Après, faut goûter, les gars. Mini focaccias, je connais pas. Justement, c'est le but des box, c'est de découvrir des nouvelles saveurs. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ça? Oh, les niçois chèvre tomate. Ok, j'ai l'impression... C'est quoi, c'est un pâté? C'est quoi? C'est une sauce? Ok, je sais pas c'est quoi. Chèvre tomate. Il y a un petit bocal chèvre tomate. On va goûter. Ça, je pense que ça, faut mettre sur du pain. Oh merde. J'ai pas de couteau. Merde, j'ai rien pour tartiner, frère. Au pire, je vais tremper mon pain dedans. Ouais, on va faire ça. Ok, ça, je pense faut mettre sur du pain. Qu'est-ce que c'est ça? Crayon d'assaisonnement à tailler. Piment d'Espelette. Ah, je crois que ça c'est un truc pour faire un peu les pas comme les gâteaux, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un truc, t'appuies dessus et il y a un peu de sauce qui sort, tu vois. Bon, en fait, c'est un petit pot de sauce un peu. Un savoureux condiment sous forme de crayon à tailler. OK. Bon, c'est piment d'Espelette. Ça, piment, normalement ça doit arracher, mais après t'as capté, moi je suis pas sensible au piment, je suis un bonhomme. Ça c'est quoi? Oh, donc c'est ça, tablette pistache. Attends, mais c'est une tablette de chocolat. C'est une tablette chocolat pistache. Attends, mais ça a l'air incroyable. Ça, par contre, ça a l'air incroyable. Ça, j'ai envie de goûter. Ça a l'air incroyable. Qu'est-ce que... Ah, là, on a du vrai pâté, là. Là, on a du vrai... Par contre, je vais me faire arnaquer, là, sur le pâté, wesh. La moitié, elle est vide. C'est une blague, là. La moitié du pâté, elle est vide. Je me suis fait arnaquer, là, sur le pâté, eh. On est où? Du bœuf angus. Wesh, rillette de bœuf angus à la truffe. Attends, mais ça, c'est un truc de luxe. Ça, c'est un truc de luxe, frérot. Bœuf angus à la truffe, c'est un truc de luxe. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Ah ouais? C'est fait exprès qu'il y a ça, là?
Il connaît rien. J'avoue que je connais rien, les gars. Après, faut découvrir. Attends, mais c'est fait exprès qu'il y a de l'air? Ok. Ok, apparemment c'est fait exprès. Ok, je savais pas, les gars. Et c'est quoi? On a une petite boisson? On a une petite boisson. Oh là là, attends. En vrai, ça fait plaisir qu'on ait une boisson. Je suis content. Je suis content qu'on ait une boisson parce que je vous jure, j'ai trop soif. En vrai, j'ai soif, j'ai faim. Là, c'est parfait. C'était le moment d'ouvrir la box. Maison familiale, produit artisanal, fruit de la passion. Ok, et eh ben les gars, moi je vous propose qu'on goûte, hein. J'ai envie de vous dire, je vous propose qu'on goûte. En vrai, il y a pas mal de trucs. C'est vraiment plein de trucs divers et variés. Eh, venez, on commence par la boisson, les gars. Boisson, fruit de la passion, ça normalement je devrais kiffer. Boisson, fruit de la passion, c'est sûr je vais kiffer, frérot. Parce que moi, les jus de fruits, je kiffe. Les jus de fruits, je kiffe, les gars. Comment ça se trouve, là? Oh, mais attends, mais par contre, ça se voit que c'est des produits de qualité. Pour de vrai, ça se voit. Genre, juste les emballages, tu sens que c'est des trucs de qualité. Par contre, y en a pas beaucoup, hein. Ah, ça sent bon. Ça sent trop bon, frère. On dirait une parfumée, on dirait une bougie parfumée, carrément. Attends, ça sent trop bon. J'ai pas de verre. Vas-y, je bois la bouteille, hein. Je bois la bouteille, les gars, j'ai pas de verre. C'est du sirop. Ah! Ah, mais c'est pour ça, frère. J'ai en train de me dire, c'est pas. C'est un peu sucré, là. Ah, faut mélanger avec de l'eau. Ah! Eh, je me suis fait surprendre. Eh, j'ai bu, ça a coulé dans ma gorge, c'était ultra sucré. Eh, c'était en vrai. Mais le pire, c'est que brut comme ça, c'est pas si. C'est pas si dégueu. Ah, mais c'est pour ça que c'est écrit brut, fruit de la passion. Bah, non, je me suis fait surprendre. Oh, je me suis fait surprendre, gros. J'ai bu, je me suis dit, waouh, c'est pas très rafraîchissant, là. Ok, alors attends, putain, mais j'ai pas de verre. J'ai pas de verre. Frère, il me faut un couteau et un verre. Mais normalement, tout le monde a ça chez soi. Mais là, je suis dans mon studio. Attendez, les gars, faut que j'aille chercher un couteau et un verre. Tu vas avoir encore plus soif. Bah, ouais. C'est ça là, ça m'a donné encore plus soif en vrai. Putain, merde. Mais hey, les gars, je sais pas où est-ce que je peux trouver un verre, un couteau. Je reviens, je vais à la cantine. Je vais à la cantine de Webet, j'arrive.
Ok les gars, bam bam bam, j'ai un verre et un couteau. Alors, oh mais j'ai pas d'eau. Je vais acheter de l'eau. J'arrive. J'ai de l'eau. Eh, j'espère j'ai tout. Yuki a mangé une figurine. Comment ça? Vous êtes demi-tout les gars, je suis parti, elle était dans le canapé, je suis revenu, elle était dans le canapé. Attends, pour de vrai, si elle a graillé un truc, elle fait très bien semblant. T'as graillé quelque chose toi? T'as graillé quoi Yuki? Mais est-ce que vous avez raison? Elle a sa tête de la meuf qui a fait une connerie. Elle a les oreilles en arrière comme si elle... Regardez. T'as graillé quoi Yuki? Elle met ses oreilles en arrière, ça veut dire elle a fait une connerie. Elle a graillé une figurine. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Mais y'a même pas de figurine par terre, comment tu veux qu'elle graille ça? Bon, eh hey, bref, eh hey, hey, vas-y gros, on est là pour... Mais vous êtes des mythos, non? C'est faux, c'est un prank. Ah, c'est un prank. Ah, c'est marrant ça, c'est marrant. Bon, bref. Les gars, allez hop, goûtons enfin ce petit sirop au fruit de la passion. Du coup, ça fait plaisir, je me disais, tiens, la bouteille, elle est petite, mais au final, c'est un sirop, donc au final, ça va, c'est cool. Il y en a plus, quoi. Alors, attendez, je pense que ça, c'est un sirop, faut pas en mettre beaucoup. Et c'est pour ça, ça sentait grave bon, grave fort. Oh, il est transparent. Mec, j'ai l'impression que je suis en train de servir, j'ai l'impression, gros, c'est un gros truc de rhum arrangé, là, je vais être bourré. Ouais, j'en ai peut-être pas mis assez là, si. Bon, je vais tester avec pas beaucoup, on va voir. Si jamais il faut que je rajoute, je rajoute. Je vais tester avec pas beaucoup. Ça, je pense que c'est un sirop puissant. Faut pas en mettre beaucoup. Je pense qu'il faut boire léger. Pas assez. Bon, on va goûter. Vous savez quoi, on va goûter. Ça me paraît pas mal là. Ça me paraît pas... Par contre, je pensais pas que c'était transparent. C'est transparent, goûtons. Grave bon. Attends, mais c'est grave bon, frère. Mais hey, faut pas en mettre beaucoup en vrai. Hein. En vrai, faut pas en mettre beaucoup. Hein. Attends, mais par contre, fruit de la passion en sirop, j'ai l'impression que j'ai jamais goûté. Mais attends, c'est trop bon. En fait, au début, il y a un goût de. Au début, il y a un peu un goût de multifruits. Et après, tu sens vraiment que le goût du fruit de la passion, c'est trop bon. La boisson est survalidée. En fait, fruit de la passion, je pensais pas. En fait, je pensais que j'avais déjà goûté. Je pensais que c'était un goût que je connaissais parce que, en général, je prends des jus multifruits. Je prends des. T'as vu? En vrai, ça ressemble un peu au sirop de pêche. Eh, c'est vrai ça. Pour de vrai, ça ressemble un peu au sirop de pêche. Je vous jure que ça ressemble un peu au sirop de pêche. On dirait un sirop de pêche, mais plus goûtu. Eh, en vrai, c'est ça. Ça ressemble un peu au sirop de pêche. Je connaissais pas le goût.
Je kiffe. Les gars, je kiffe. La boisson est validée. La boisson, j'aime bien. J'aime bien. Le chocolat, on se le garde pour la fin. Le chocolat, on se le garde en dessert. Bah, j'ai envie de goûter ça là. J'ai envie de goûter le truc chèvre tomate. Oh lolo. Ouais, c'est ça, c'est un pâté. Comment ça s'appelle les trucs comme ça? Oh. Ça sent. Bah, en vrai, ça sent grave plus la tomate. On sent pas le chèvre. Ah, si, un peu. Ah, ça sent beaucoup le... Ok, en vrai, ça sent vraiment la sauce tomate. Hein. Je vous dis la vérité, ça sent la bonne sauce tomate. C'est une terrine. De la rillette. Ah ouais? C'est quoi? Je vais goûter avec le pain. Hein. Hop là. Mais je pense qu'on peut tremper les gâteaux dedans aussi. Ça doit être bon avec les gâteaux. Alors, hop là. Le petit couteau pour tartiner. Je vais en mettre beaucoup. Hein. Les gars, le but, c'est de goûter la rillette. Hein. C'est pas de goûter le pain. Hein. Hop là, après faut pas en mettre trop sinon il y a moyen que ça dégoûte. Hop là, vous êtes prêts, on goûte. Attention, bon app. Mais gros, c'est trop original. C'est trop original. Vraiment. Mais c'est un ouf. Alors là, Valouze, il a régale. Là, Valouze, il a régale. Mais attendez. Alors, en vrai de vrai, je vous dis la vérité, les gars. Ça a pas le même goût que ce que ça sent. C'est-à-dire que quand tu sens, ça sent que la... Je vous jure, ça sent quasi que la tomate. Et là, j'ai goûté. Et au début, il y a un petit goût de... Au début, t'as le goût de la tomate. Et d'un seul coup, frère, bam, il y a le fromage de chèvre. Je vous jure, les gars. Au début, il y a le goût de la tomate. Et bam, il y a le fromage de chèvre. Et après, il y a les deux qui se combinent ensemble. Et ça fait un mélange de saveurs dans la bouche qui est juste incroyable. Non, peut-être que là, j'abuse un peu. Mais je vous jure que c'est ça. Pour de vrai, les gars, je vous jure qu'au début ça sent la tomate et d'un seul coup il y a le goût du chèvre. Il vient petit à petit, t'as vu? Mais mec, c'est trop bon. Et normalement, j'aime pas trop le fromage de chèvre. Et franchement, ça passe bien. J'étais en train d'ouvrir. Les gars, j'ai trop faim. J'explique même plus ce que je fais, j'ouvre. J'explique même plus ce que je fais, je graille. Goûtons les petits gâteaux. On va goûter les petits gâteaux et comme ça, je vais tremper le petit gâteau dans ça. Mais en plus, la rillette, en vrai, en général, c'est souvent bon. Enfin, là, c'est vraiment un truc, ça sent que c'est un truc de... En vrai, ça sent, il a mis que des trucs de qualité pour de vrai. Et la rillette, en général, t'as vu, c'est un truc... Moi, j'en mange jamais, des trucs comme ça. Des trucs comme ça avec du pain, j'en mange jamais parce que j'ai la flemme, en fait, de sortir mon pain, de tartiner le truc et tout. À chaque fois, j'ai la flemme, sauf qu'en vrai... Ça vaut le coup. En vrai, c'est très bon. À chaque fois, je suis pas déçu. Et là, là, franchement, c'était vraiment bon, les gars. Il y a quelqu'un dans le chat qui a commandé la box et qui a goûté aussi de son côté ou pas? Enfin, en vrai, j'ai envie de savoir ce que vous en avez pensé si vous avez goûté. Même Valouze. Du coup, là, j'ai hâte de voir la vidéo de Valouze. Normalement, en vrai, j'aurais dû regarder la vidéo de Valouze et manger en même temps que lui. Comme ça fait genre, tu dégustes avec lui. Oui, j'ai goûté, trop bon. Ouais, moi. Oui, mais pas goûté. J'aime pas le fromage de chèvre. Ben, je te jure que même si t'aimes pas le fromage de chèvre, je pense que tu peux aimer. À part si vraiment c'est un truc que tu peux pas du tout. Mais en vrai, c'est bon. Parce que c'est plus léger du coup. Ok, goûtons. Mini focaccia au romarin. Ça sent très bon. Ah, c'est ça le romarin. Ça sent trop bon en vrai. C'est bon. C'est bon. Après, moi, je suis pas très. Je suis pas très biscuit, mais ça a très bon goût. Mais moi, les biscuits, j'aime pas trop. J'aime pas trop les trucs durs à manger et tout, je sais pas. Je suis pas hyper fan de biscuits, mais le romarin, en fait, je trouve que c'est addictif. En fait, ouais, c'est un goût addictif. Genre, j'ai envie d'en reprendre. C'est un goût addictif. Attention, les gars, je tente un truc. Biscuit dans chèvre tomate. Je tente.
Oh, j'en ai mis pas mal. Hein. Oh, j'en ai mis pas mal. Mais attends, c'est une dinguerie. Mais attends, c'est une dinguerie, frère. Oh, bordel, mais c'est trop bon. Yo, salut toi. Ouais, je suis en live. Ah, merde. Ça va? Ça va, frère? Ça va, ça va. Tu finis à quelle heure ton live? Je finis à 15h, mais je dois partir direct, 15h30. D'accord, ok. Tu reviens après ou pas? Ouais. Ok, vas-y, vas-y. Va pour live d'Inox. Ok, d'accord. Vas-y, à toutes. À tout à l'heure, bon live. Vas-y, Zimmer. Putain, j'aurais peut-être dû lui demander de goûter, mais en fait, je sais pas si c'est des trucs halal ou pas. En fait, j'ose pas demander. Je me suis dit au cas où, on sait jamais, frère. Je sais jamais. Frère, ça c'est un truc, il y a plein de trucs dedans. Si ça se trouve, gros, il y a un bout de viande, tu sais pas. Mais en tout cas, c'est trop bon. Les gars, je vous jure, c'est grave bon. Eh, c'est trop bon. Eh, vas-y, c'est trop bon. Faut que j'arrête là. Faut que j'arrête. Bon. Validé. Alors, ça, tout seul, j'aime bien, mais biscuit, c'est pas mon délire. Mélanger. C'est une dinguerie. Ça, pour l'instant, c'est mon coup de cœur. Ça, je vous jure, je mets un 10 sur 10. Je mets un 10 sur 10. Je vous jure, c'est trop bon. Alors que pourtant, tomate, chèvre, gros, c'est deux trucs. Tomate, vas-y, j'aime bien, mais vas-y. Chèvre, pas trop mon d'elle. Tomate, chèvre, trop bon. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Fais goûter à Yuki. Oh ouais, attendez. Bah, Yuki, frère. Mais t'es malade ou quoi, Yuki? Attends, tomate, je crois que c'est pas bon pour les chiens. Attendez, je vais regarder. Bon, après, c'est pas comme si je lui donnais une tomate, mais bon. Tomate, chien. La tomate fait partie de ses aliments. Ah, tomate, c'est toxique pour les chiens. Faut pas donner. Faut pas donner à Yuki. Bah, comme ça, il y en aura plus pour moi. T'as le seum. T'as le seum. T'as le seum. J'ai un bâtard. Ça, je pourrais lui en donner. Ça, bon, ça, elle va goûter. Bon, ça, elle va se régaler, frérot. Ça, elle va se régaler, frérot. Attendez, venez d'abord, on goûte le piment. Parce que le piment me fait un peu peur. Le piment me fait un peu peur. Du coup, les gars, là, il reste piment, le bœuf Angus et la tablette de chocolat. Goûtons le piment parce que là, je vous dis la vérité, le piment me fait un peu peur. Oh merde. J'ai niqué le paquet. Tac. Tous les trucs que j'ai goûtés, je les mets là. La poisson, moi. Ouais. Bon, le gâteau, je suis obligé d'en manger, c'est trop bon. Alors, what? Mais en fait, wesh. Mais attends, mais il y a vraiment un taille-crayon. Mais attends, mais ça taille vraiment un crayon ou pas? Est-ce que c'est un vrai taille-crayon? Mec, j'ai appris. Attends, il n'y a qu'un truc, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Quand j'étais petit, je mettais tout le temps mon doigt dans les taille-crayons. On va voir. Ah, si, je pense que c'est un vrai taille-crayon. Si, si, c'est un vrai taille-crayon, ça coupe. Je vous jure, c'est un vrai taille-crayon. Je vous jure, c'est un vrai taille-crayon. C'est sûr que ça taille des crayons. C'est sûr et certain. Hop, wesh. Attends, mes frères, j'ai l'impression que je suis un scientifique, là. Là, j'ai l'impression que je suis un scientifique, frérot. Après, ça a une forme un peu bizarre, hein. En vrai... Eh, vas-y, je casse les couilles. Eh, venez, on ouvre ça et... Je casse... What? Mais attends, on dirait une bougie, frérot. Ah ouais, ça sent... Oh, ça sent vraiment le piment. Oh, wow. Ça sent vraiment le piment, frère. Mais du coup... Ah, mais j'ai compris. Ah, en fait, faut faire ça. Faut faire ça. Et en fait, c'est genre, imagine, je prépare, je sais pas, je prépare des lasagnes, par exemple. Je prépare des lasagnes. J'ai envie de mettre un petit goût pimenté. Ah, mais c'est incroyable. En fait, ça, c'est pour les mecs qui savent cuisiner un peu. Attends, venez, je goûte. Là, vraiment, je suis pas très sensible au piment. Enfin, si, un peu quand même, t'as vu, en vrai... Des fois, quand il y a des piments qui arrachent, ça arrache. Ouais, c'est un petit goût de piment. T'es carré en vrai. Mais gros, j'ai trop envie de croquer un gros bout de dent. J'ai envie de croquer dans le stylo. En fait, je vous jure,
C'est... Je sais pas, la texture, elle me donne envie de le graille. Eh, vas-y, venez, on goûte ça. Oh, c'est tout mou. Oh, c'est trop bizarre comme texture à manger. Oh, c'est bizarre. Ah ouais, c'est vraiment pas fait pour manger comme ça. Mmh, par contre, là, ça pique. Mmh. Oh. Ah, j'ai fait tomber des bouts. Ah. Oh, j'ai chaud. En vrai, ça va. En vrai, il arrache pas de ouf. Ouais, si, il donne chaud, quoi. Ah, il donne chaud. J'ai connu pire, hein. Mais il donne chaud. Je vais boire un petit coup, parce que... Voilà, quoi. Oh, bordel. Ah, ça va mieux. Ok. Non, bah, en vrai, bon, ça se voit que c'est pas fait pour être mangé comme ça. Parce que je vous dis la vérité, c'était pas bon. C'était pas bon. Manger comme ça, c'était pas bon. Mais du coup, ça, je sais pas, j'ai envie de... Comment tu veux que je le mange? Attends, j'ai une idée. Je mets un biscuit. Je mets ça. Après, moi, je suis pas fan du goût du piment. Hein. Et hop. Tac, tac, tac. Oh là là, cette petite préparation. J'ai l'impression d'être un vrai cuistot, là. Ah là, j'ai l'impression d'être un chef cuistot, mec. Théma, mon gâteau, comment il donne envie. Théma, mon petit gâteau. Mon petit gâteau parsemé de piment d'Espelette. Mmh. Oh, c'est bon, en vrai. Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Bon, bah, si jamais je veux cuisiner, frère, j'ai un crayon piment. Je vous dis la vérité, je cuisine très rarement. Mais voilà. Hop là. Et merci, magnifique. Après ça, ça peut avoir une double utilité. Donc c'est ça qui est cool. Let's go. Les gars, rillettes de bœuf Angus. Alors ça, j'ai très envie de goûter. Parce que bœuf Angus, c'est un bœuf... t'as vu, c'est bœuf de qualité supérieure. C'est bœuf de qualité supérieure. Donc rillettes de bœuf Angus, ça doit être très très bon. Je vous avoue, les gars, là, je vais me faire plaisir. Là, on est sur les deux trucs qui me hype le plus. Moi je kiffe trop. Et là j'ai l'impression, mais en vrai les gars, moi je vous explique. Koh-Lanta, LED rouge, sushi, c'est terminé. C'est terminé. Tu veux pécho une meuf? Écoute-moi bien. Là elle va te dire, c'est un connaisseur. Soleil, pique-nique, régalouse. C'est mieux que Koh-Lanta Sushi LED Rouge, c'est pour un deuxième date. Koh-Lanta Sushi LED Rouge, c'est pour le deuxième date. C'est quand ça c'est déjà, il y a déjà eu bisous et maintenant tu veux plus plus. Il y a déjà eu bisous, tu veux plus plus, Koh-Lanta Sushi LED Rouge. Tu veux qu'il y ait bisous, maintenant tu veux pécho, soleil, pique-nique, régalouse. Je t'explique, tu viens pas avec la box régalouse. Parce que si tu viens avec la box régalouse, elle va se dire, wesh, c'est quoi, c'est un livreur Amazon le frérot, à quoi il joue là? Tu viens avec tous les trucs comme ça un par un. Tu prends ça, tu prends un petit peu les gâteaux pour faire le connaisseur et tout. Et là, elle va se dire, mais wesh, c'est un connaisseur, lui, il est chaud. Tu vois, tu arrives comme ça, tu dis, ouais, écoute, je t'ai ramené une petite rillette de bœuf Angus. Tu vas voir, c'est un truc un peu particulier, mais franchement, je pense que tu peux bien l'aimer. Elle va goûter, elle va se dire, mais c'est vraiment bon. Comment il fait pour avoir le goût des choses comme ça? Petit chocolat pistache pour terminer le pique-nique. Et là, tu l'as dans la poche. Là, c'est dans la poche. Bon, hop, allez, goûtons. Paf, et merci. Alors là, la rillette, je peux te dire, je vais en tartiner. Hein. Je vais tartiner la rillette. Hein. Et si tu fais soleil, pique-nique, régalouse, tu vas pas tartiner que la rillette. Moi, je te le dis. Je suis chiant, non là je suis chiant. Non là j'abuse. Hop là. Tac. Tac. Eh mais ça c'est vraiment bon. Eh ce truc là, à chaque fois que je goûte, ça me surprend le goût. Bon. Alors. Du coup.
Oh. Ah ouais, la rillette a l'air tombée. Elle a l'air tombée, la rillette. Oh là 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 là. En vrai, ça se voit que c'est grave bon. Oh. Ah ouais, c'est... Ah mais oui, j'ai oublié que c'était à la truffe. J'ai oublié que c'était à la truffe. J'allais dire, ça sent à mort la truffe. Ah mais ouais, c'est vrai que ça la... Par contre, la truffe, j'aime pas de ouf. Oh là là, ça c'est un vrai bout. Ça, c'est une vraie rillette. La truffe, j'avoue que je suis un peu moins fan. Mais je pense que ils ont mis de la truffe dedans, c'est que t'inquiète. T'inquiète, je fais confiance. Je fais confiance. Je me dis, gros, ça se voit, c'est un truc de qualité. Il y a de la truffe dedans, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, frérot, moi je te le dis. Hop là. Allez, on va goûter. Oui, tu vas goûter aussi, Yuki, t'inquiète pas. Bon app. Oh, j'avais pas mis assez. Ah si. Attendez, j'en mets plus. Je vais en mettre plus. Attends, là ça va peut-être être trop. J'en mets plus. Là j'ai pas réussi à ressentir le goût à 100%. Là c'était très bon, mais je ne peux pas vous décrire le goût. C'était très bon, mais c'était un peu trop léger. On va goûter. Bah en fait, je sens pas trop la truffe en vrai. Je vous jure, j'arrive pas à sentir la truffe. Attendez, je vais manger la rillette toute seule. Ah oui, ok. En fait, la rillette... Ah, là, on sent la truffe. La rillette toute seule, elle est grave bonne. Mais en fait, dans le pain, bah, je ressens un peu moins le goût. Dans le pain, en vrai... Après, moi, j'ai pas des papilles surdéveloppées. Je vous dis la vérité. Hein. J'ai pas des papilles de ouf. Mais en vrai... ça a l'air... Juste là, avec le pain, quand je goûte, je trouve que ça fait juste une bonne rillette, tu vois. Tu sens que c'est une bonne rillette... Mais j'arrive pas à dire ah ouais, c'est vraiment trop bon, ça a le goût de truffe et tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu donnes trop faim. Mais en vrai, c'est grave bon. Par contre, c'est grave bon. Mais en vrai, tu sens que c'est une très bonne rillette. Mais j'arrive pas à décrire le goût exactement. Ouh, j'en ai fou. Eh les gars, je suis en train de dégommer. Eh, c'est trop bon. Hein. Je suis en train de dégommer. Par contre, Zedar. Elle est pas sèche du tout la rillette. Très très bon. Très très bon, mais pour l'instant, ça reste ça mon coup de cœur. Je te jure que le chèvre tomate, il m'a étonné. Ok. Et bah les... Ah, attendez, on va faire goûter à Yuki. On fait goûter à Yuki. Attendez. Dans du pain ou pas? Non, Yuki, je vais pas lui faire... Ah ouais, mais si, je vais lui mettre dans du pain parce que... Ah, sur un gâteau. Oh, attends, sur un gâteau. Moi aussi, j'ai envie de goûter sur un gâteau. Mais ça, c'est trop bon, en fait. En fait, je te jure, tu tartines du fromage dessus. Je te jure que c'est grave bon avec le gâteau. Mais hey, c'est un truc de ouf, hein. Ok. Les gars. Mais non, c'est pas toxique, c'est de la viande. Ça peut pas être toxique, c'est de la viande, les gars. Hop là. Yuki, tu vas te régaler.
Attends, je vais pas te mettre tout ça non plus. Tu vas te régaler. Allez, viens. Donne la pâte. Donne. C'est bien. Allez, goûte. C'est pour toi. Oh, elle dégomme. Oh, elle dégomme. Oh, elle dégomme, les gars. Attention. Elle dégomme. Et elle a fini même le gâteau. Hein. Elle a fini même. Elle a fait tomber le gâteau sans faire exprès. Mais je rêve. Oh, ça y est, elle dégomme. Oh là 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 là. Elle a pris le gâteau en entier. Elle dégomme. Oh, ça y est, elle kiffe. Je crois qu'elle kiffe, les gars. Je crois qu'elle se régale. Hein. Oh putain, tu m'en as mis partout. Oh, elle a tapé un croc dans le gâteau. Il s'est démoli en 18. Oh, elle m'en a mis partout. Bon, ça va, elle va faire la serpillière. En vrai, elle va faire la serpillière. Elle a mis du gâteau partout, mais vous inquiétez pas, elle va faire la serpillière. Je pense qu'elle aime bien. Je pense qu'elle aime bien, les gars. Je suis pas sûr, mais je pense qu'elle aime bien. La truffe, c'est toxique pour les chiens. Ah bon? Vous êtes sûr? En vrai, je savais pas. Bah, en vrai, si c'est ça, je savais pas, mais dans tous les cas, il y en a pas beaucoup, les gars. C'est au pire. Non, elle sera même pas malade. Elle sera même pas malade. En vrai, il y en a pas beaucoup. Et en plus, je pense qu'elle a bien aimé. T'as bien aimé? Wesh! Je dirais, bon, allez. Regardez comment elle fixe. Elle en veut encore, hein. Ça va, Yuki? Oh, bordel. Eh, je crois qu'elle a kiffé, hein. Oh, elle a fixé. Elle a fixé le pot. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Oh, je crois qu'elle kiffe. Oh, oh, je crois qu'elle a... Oh, je crois qu'elle a kiffé. Regardez comment elle me regarde. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il m'a donné? Elle se dit, c'est quoi qu'il m'a donné? C'est trop bon. C'est trop bon. Là, elle est en mode, j'attends juste qu'il part et je vais dégommer le pot. J'attends qu'il part, je dégomme le pot. Ah, elle a kiffé. Bon, les gars... Et dernier produit, les gars, on a gardé, moi, ce que je dirais, le meilleur pour la fin. On va, putain, mais ça fait 40 minutes, là, je suis en train de déguster. Attends, mais c'est un truc de ouf. Et en vrai, je pensais pas que ça prendrait autant de temps de tout déguster. Hein. Mais franchement, je me régale. Ah, Yuki, c'est une grosse gourmande, de ouf. De ouf. Les amis, chocolat pistache. Alors ça mon pote, je pense que je vais me régaler. Oh, ça se voit. Wesh, ça se voit, le chocolat il est mou. On dirait un nougat. Oh lolo, ça va être très très bon. Ça va être très très bon. Eh, calme-toi. Mais eh, vous savez que Yuki, à chaque fois que je sors du chocolat, elle est comme une ouf. Elle est comme ça. Elle kiffe l'odeur du chocolat. Sauf que ça, mec, je en donne, là, c'est chaud. Oh, bordel, la tablette de chocolat. Attends. Mais attends, mais en fait, je crois que mon chocolat, il a un peu fondu, là. Descends, là. Je crois que mon chocolat, il a un peu fondu, merde. Bon, hey, tu sais quoi, je vais casser les bouts comme ça. Hop, là. Vous êtes prêts ou pas? Chocolat pistache. Oh, ouais, ça sent la pâte à modeler. Mais attends, mais c'est incroyable. Par contre, il faut aimer la pistache. Il faut aimer la pistache parce que ça a énormément le goût de pistache. Moi, la pistache, c'est pas mon kiff de malade. Mais si tu kiffes la pistache, c'est un truc de ouf. Parce que ça goûte, ça a vraiment le goût de pistache, hein. Non, c'est grave bon. Oh, c'est trop bon, frère. Eh, le chocolat pistache, il est incroyable, hein. Eh, je vais le terminer, frérot. Je vais terminer la tablette aujourd'hui, là. Ouais, c'est un truc de ouf. Regardez mes doigts, là. On dirait que j'ai mis mon doigt dans le cul d'un alien. Donne-en pas à Yuki. Non, mais là, je sais, les gars. Chocolat, quand même. Quand même, les gars. Attendez, je suis obligé, je reprends un bout, là. Hop là, j'ai repris deux carrés.
J'ai repris deux petits carrés. Chef d'œuvre. Chocolat pistache, c'est mon nouveau couture. Chef d'œuvre. Chocolat pistache, je surkiffe. Je surkiffe. Et je vous jure les gars que si vous aimez la pistache, si vous aimez la pistache, je vous conseille de goûter ça. Parce que pour de vrai, si vous aimez la pistache, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et ben les gars, j'ai envie de vous dire la dégustation régalouse est terminée. Alors petite conclusion quand même, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé les gars. Et ben honnêtement, j'ai surkiffé, franchement j'ai surkiffé les gars. Que des bonnes surprises. Je savais que ça allait être des produits du terroir un peu. En fait je m'attendais à avoir ça en fait, c'est ça. Chocolat je m'y attendais pas, je m'attendais plus à un petit fromage, un truc comme ça. Mais après je pense que ça va changer tous les mois tu vois. Mais t'as vu, je m'attendais bien à avoir des trucs de rillettes, des trucs comme ça etc. Mais en vrai ça se voit que c'est que des trucs ça se voit qu'il a pris que des trucs de qualité. Et surtout c'est, en fait c'est ça, c'est vraiment des saveurs, c'est vraiment des trucs que t'as pas l'habitude de manger. C'est que des trucs gros, tous les goûts là, c'est que des nouveaux goûts un peu que j'ai découvert. Donc en vrai, franchement incroyable, j'ai surkiffé. En plus il y en a un peu pour tout le monde je pense. Si t'aimes pas, je sais pas frère, si t'aimes pas la pistache, bah il y a le truc de chèvre, il y a la rillette. Et encore je pense que, moi je suis pas hyper fan de pistache, mais franchement c'est trop bon avec le goût du chocolat en plus. Enfin bref, en vrai les gars, j'ai kiffé, franchement, merci Valouz, merci Régalouz pour cette dégustation. Moi j'ai kiffé, en plus j'ai reçu la box gratuitement. Quand même les gars. Non mais en vrai, franchement c'était grave bon. Bah GG à Valouz hein. Les gars j'ai envie de vous dire GG à Valouz hein. Parce que je crois il a envoyé 3000 box, un truc comme ça si je dis pas de bêtises. Donc envoyer 3000 box comme ça dans toute la France. Mec, il faut être solide, hein. Il faut être solide. Donc franchement, GG à lui. 2500, ok, ok. Bah franchement, GG Valouz, c'était grave cool. Moi, j'ai kiffé et j'ai plus faim. J'ai bien mangé. J'ai très bien mangé, j'ai plus faim. À ce soir, Clash Royale. Non, les gars, pas à ce soir. On va faire un petit pack opening. Petit pack opening Clash Royale. Je vous le dis. Ah, je vous le dis. Aujourd'hui, on se fait kiffer, les gars. Petite dégustation régalouse. Enfin, bref, attends. On va faire l'outro de la vidéo quand même. Du coup, les gars, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Si vous avez kiffé, petit pouce bleu. On s'abonne, tout ça, tu connais les bails. Et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes les boss. Ça fait plaisir. Du coup, les gars, changement d'ambiance. On va passer en mode opening Clash Royale, faut que je me dépêche parce que sinon je vais être en retard. Là on va claquer des sous. Attendez, si je fais ça normalement. Magnifique, magistral. Les amis, attendez, je vais juste faire ça. Paf. Ok. Clash Royale. Est-ce qu'il y a le son? Comme ça, il n'y a pas le son là. Ah, c'est vrai, j'ai enlevé le son. Paramètres. Son. Ah, ok. Les gars! Attendez. C'est quoi Régalouz? Les gars, Régalouz, c'est l'entreprise de Valouz. Où en gros, il livre une box avec plein de produits du terroir, comme on a pu goûter. Tout ce qu'on a goûté, c'était dans la box Régalouz. Voilà, voilà c'est quoi Régalouz. Attendez. Je vous mets dans le contexte, les gars. J'ai craqué. J'ai mis plus de 300 euros de gemmes dans Clash Royale. Voilà, c'est aussi simple que ça, j'ai craqué. Et du coup, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour se faire le petit pack opening des 300 euros. Parce que regardez mon compte, j'ai 43 000 gemmes. Let's go, je suis riche frérot. La moula. En vrai, j'ai un peu le seum. Je vous dis la vérité les gars, j'ai un peu le seum. Parce que jusqu'à présent, j'avais jamais mis trop d'argent dans Clash Royale. J'avais dû mettre...
10 balles par là, 30 balles par là, 50 balles par là peut-être, mais j'avais jamais mis, là j'ai vraiment claqué. En fait d'habitude j'attendais qu'il y ait des offres. D'habitude j'attendais qu'il y ait des offres. J'attendais que dans la boutique il y ait une offre spéciale en mode pour 15€ t'as 5000 gemmes et t'as 100 000 or, tu vois ce que je veux dire. Là j'avoue les gars, ce matin j'étais dans mon lit, il y avait une offre, en fait j'avais une offre ce matin, j'avais une offre de 15€. Je me suis dit ah bon vas-y je vais acheter l'offre, hop 15€ et tout. Et là je me suis dit putain, c'est un peu trop facile de mettre de l'argent dans le jeu. Du coup j'ai descendu comme ça, je me suis dit ce serait peut-être cool d'ouvrir ce petit coffre là, ce petit coffre, ça serait cool de l'ouvrir. Donc pourquoi pas mettre 300€. J'ai le seum. En vrai j'ai un peu le seum. Et en vrai les gars, enfin j'ai pas le seum. En vrai non, je dis j'ai le seum. Mais en vrai je suis content. En vrai je suis trop content parce que là on va faire un pack opening. Et je vais kiffer sa mère. On va faire un pack opening, je vais kiffer sa mère. Je vous le dis. Mais c'est vrai que j'ai un peu abusé. Honnêtement les gars, faites attention. Je vous incite pas à mettre de l'argent dans le jeu ou quoi que ce soit. Parce que bon, c'est... En plus j'ai pas mis de code créateur. Est-ce que mon frère Pewware, ah il l'a toujours pas. Je sais que mon frère il va avoir un code créateur sur Supercell. Il va avoir un code créateur sur Supercell. Mais moi je l'ai pas. Et je sais pas si Clash Royale vont me le donner un jour. Mais je sais que mon frère Pewware doit l'avoir bientôt. Il l'a toujours pas mais bientôt normalement. Donc voilà, on n'hésite pas les gars, code créateur Pewware quand il arrive, ça fait plaisir. Et ben voilà, les gars, j'ai envie de vous dire, si on se retrouve là, c'est pour faire un méga pack opening. Le but, alors je vous le dis, regardez ce que je veux. Je veux très exactement ça. Il me faut du gel, mais en fait le gel, on va l'avoir avec les jokers. Parce que en gros, on va se faire un pack opening, on va ouvrir, on va voir, hein, mais on va ouvrir du coffre légendaire du roi. Combien, je sais pas exactement. Mais on va... Attends, coffre chance, il y a quoi dedans? Ouais, non, c'est pas des trucs que je joue. Mais ouais, on va ouvrir coffre légendaire du roi. Et du coup, dans les coffres légendaires du roi, il y a des jokers. Donc je pense que le gel, on va pouvoir le monter grâce au joker. Mais il nous faut de la méga gargouille, tour de l'enfer, Valkyrie. Voilà. Et un autre truc aussi, j'ai un autre deck, les gars, que j'ai envie d'améliorer. Il est où? Voilà, c'est ce deck là. Ce deck là aussi, j'ai envie de l'améliorer. C'est un deck giga cancer. Hein. Je vais pas vous mytho, les gars. C'est un deck spawner cabane de gobelin, spawner fournette. Tu sais quoi, je vais tout améliorer sur ce deck. Et je vais tout améliorer, frérot. Hop là. Mec, c'est tellement satisfaisant d'améliorer toutes ces cartes. En gros, c'est trop satisfaisant. Et bientôt niveau 14, hein. T'es mal à tout l'XP qui monte là. Eh, le niveau 14, c'est pour bientôt, les gars. C'est pour bientôt. Les recrues royales. Charrette à canon, on augmente. Ouais, je suis désolé pour les grésillements. Normalement, je pense que dans l'unboxing, il devrait pas en avoir. Voilà. Il y a ce deck que j'ai envie d'améliorer aussi, du coup. Donc, si on a de la machine volante, c'est bien. Cabane de gobelins, c'est bien. Fournée, c'est bien. En fait, c'est beaucoup de rares qu'il me faut. En commune, du coup, il faudrait des recrues royales. Du feu à bord. Enfin, bref. En vrai, les gars, on veut juste des bonnes cartes. Surtout ces cartes-là en particulier. Et après, en vrai, on veut juste des bonnes cartes. J'aimerais bien aussi avoir... avoir en légendaire du bûcheron. Parce que ça c'est un des autres decks que je kiffe. Et il y a le bûcheron dedans. En vrai je veux juste des bonnes cartes. Donc on va voir ce qu'on a. Et puis voilà hein, les gars, j'ai envie de vous dire c'est parti. Coffre légendaire du roi. Let's go. Polololololo, 4600 or. Et merci monsieur. Et merci. Allez c'est parti. Donc là on a les jokers. Ça fait plaisir. Oh là là, gros, ça régale. Hein. Oh, ça régale. Petit joker légendaire. Pas mal. C'est pas mal du tout. Attends. Oh, joker légendaire, il va falloir que je les utilise là. Je suis à 20 sur 20. Je suis à 20 sur 20, frérot. Même à l'école, j'avais pas des notes comme ça, putain. Ok. C'est parti. Ah, et voilà. Je vous ai dit, il fallait des recrues royales. On a des recrues royales. Très bonne commune. Ça fait plaisir. Ça reprend. Qu'est-ce qu'on peut prendre là, les gars? Le son du jeu est trop fort. Ah ouais, vas-y, je vais baisser un peu.
Magnifique. À Skipa, t'es pas obligé, ça s'accumule. Vous êtes sûr qu'on peut dépasser? Pas besoin, tu peux dépasser. Vous êtes sûr? Je vais tester. Je vais tester. Miroir ou bébé dragon? On prend bébé dragon large, direct. Barbare d'élite, bah mes barbares d'élite en vrai j'ai le max de cartes. Donc j'ai juste à les améliorer, on va prendre ça direct. Attention, ah c'est toujours pas les rares. Ah artificière je kiffe, artificière je kiffe. Je la joue pas mais c'est une carte, je sais qu'elle est très bien. Ok, les rares je pense. Ouh, méga gargouille, c'est dans mon deck, ça fait plaisir. Le pack opening commence très bien les gars, ça commence très très bien. Hop là, oh, ok. Sort de foudre ou électro-dragon, on va clairement prendre. En vrai, sort de foudre très bien aussi, mais on prend l'électro-dragon que je vais pouvoir améliorer au niveau 12. Et pour l'instant, les gars, le pack opening est magnifique, je vous le dis. Après, c'est qu'on a ouvert qu'un coffre, mais pour l'instant, c'est très cool. Voleuse ou pêcheur? En vrai, pêcheur. En vrai, pêcheur en défense, il est vraiment cool. Ok, et ben ça fait plaisir les gars, ça fait très très plaisir ce petit coffre. Attendez, vous m'avez dit un truc. C'est quoi que vous m'avez dit? Quelqu'un m'a dit un truc. Ah oui, à ce qui paraît on peut dépasser les jokers, on va voir. Eh les gars, j'espère, parce que là si on peut pas dépasser, c'est comme si j'avais mis une légendaire dans le vent. Hop là, joker commune, joker rare, joker épique, et normalement... Oh, 21 sur 20, bah wesh. Bah ça sert à quoi le sur 20 du coup? Ça sert à quoi du coup les gars, je comprends pas. Comment je peux avoir plus? Je comprends pas. Ok, oh mousquetaire, on prend. Attention, ok, artificière, mes archères sont niveau max. Allez, on continue. Pour l'instant, on est pas mal du tout. De la fournaise, j'ai dit que j'en voulais. C'est magnifique. Mais en vrai, ce coffre-là, il est trop bien. Parce que comme tu fais des choix... Comme tu fais des choix, tu peux que avoir les bons choix, genre. Bon, sauf là, t'as vu, là, c'est pas des trucs de ouf. Je prends squelette, en vrai. En vrai, squelette, dans les decks pour cycler, il y est souvent. Ok, cabane de gobelins, très bien. En épique, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est de la merde. Là, par contre, j'ai le choix entre de la merde et de la merde. Donc là, ça fait un peu chier. Vas-y, Arkix en vrai. En vrai, il y a des decks Arkix qui sont cool. Donc, on va prendre Arkix. Mais je sais pas jouer Arkix. Légendaire du bubu, du cheche, du ronron, du bûcheron. Eh, il veut pas me donner le bûcheron, frère. Eh, le bûcheron en légendaire. On parie, je vais même pas en avoir un. Je le sens. Je le sens. Sorcière de la nuit aux zappies. On prend quoi? Sorcière de la nuit aux zappies. Putain, en vrai, je sais pas. Sorcière de la nuit aux zappies, les gars. Attends, je vais me servir un petit jus de fruit de la passion là. Zappy, ah ouais. Zappy. Ok, bon, tout le monde dit Zappy, apparemment il n'y a pas photo les gars. On va prendre le Zappy. Hop là, ça fait plaisir. Petit Zappy. Et ça c'est trop satisfaisant. Les trucs comme ça, je trouve ça trop satisfaisant. Les fins de coffre comme ça là. Ok, magnifique. Vas-y les gars, on va s'en ouvrir. En vrai, on va ouvrir 15 coffres légendaires du roi. On va en ouvrir 15. Ça veut dire que là j'en ai ouvert 2. Il m'en reste 13 à ouvrir. Allez, c'est parti. On continue les gars. En vrai, on a du coffre à ouvrir. On peut y aller frérot. Ok, de l'or. Du joker. Voilà, joker, on se met bien. Joker légendaire du coup 22 sur 20. 22 sur 20, y'a pas de problème. Et bah très bien. Ça fait. Wesh, une rare frérot. C'est quoi ce coffre de rat? Non mais là j'ai eu un coffre de giga rat là. C'est pire qu'Inox Tag. Ok, on va prendre électrocuteur, j'aime bien. 4 rares. Frère, c'est quoi ce coffre de radin? Je veux même pas avoir le légendaire là. Cochon en vrai c'est cool. Cabane de gobelin, magnifique. Artificière. Putain mais elle, je l'ai dans tous mes coffres. C'est un truc de fou. Ok, vas-y, extracteur d'élixir, je prends. Feu à gobelin, ok. De toute façon, mon bullis, il est niveau max. Donc, on prend du feu à gobelin. Le feu à gobelin, il est très bien dans les decks lockbait. Et la légendaire, let's go. Le bûcheron, les gars. Toujours pas. Je vous l'ai dit, on va pas l'avoir. Princesse ou cavabellière? En vrai, cavabellière, elle est forte, mais je la joue pas du tout. Donc, je vais prendre...
Ah, c'est chaud. Ouais, je vais prendre princesse. Parce que cavabélière, je la joue vraiment pas. Enfin, cavabélier. Hop. Et ben, magnifique. Les gars, on continue. C'est parti. Allez, c'est parti, mon pote. C'est parti. Est-ce qu'on ouvrirait pas avec Bobby là? Allez, on va ouvrir avec Bobby. Allez, Bobby. Allez, le Bob. Le bon vieux Bob. Le bon vieux Bob. Le Bobby. Hop là, Bobby sur la tête, t'as capté, à l'ancienne frérot, à l'ancienne, on est revenu en 2017 là, hein. Hop, 4600 or, merci mon ref, ça fait plaisir, du joker, ça régale, on est à combien, 23 sur 20, 23 sur 20, c'est très très bien, en commune, oh le géant royal, c'est mort les gars, c'est mort, je prends pas le géant, en vrai le géant royal, je trouve qu'il est plus si fort, il est plus très fort. Avant, il y a une époque où c'était vraiment une carte archi-cancer qui était trop forte. Mais maintenant, je le trouve un peu nul. Donc, on va prendre ça. Le collier royal. Ok, méga gargouille, c'est magnifique, c'est dans mon deck. Artificière, je t'ai dit, elle est dans tous les coffres, elle. Ok, dragon squelette, je le joue dans mon deck golem extracteur d'élixir. Pas mal en vrai, hein. On est sur un... Bon, là, t'as vu, là, c'est un peu chiant. Là, là, c'est nul. Là, c'est... En fait, j'ai l'impression que dès que je dis que mon pack opening est bien, j'ai que de la merde. Allez, Bobby, là. Vas-y, on prend Cash Goblin quand même. En vrai, Cash Goblin, c'est cool. Putain, là, les épiques, c'est pareil. Ça, je sais pas quoi prendre, frérot. En vrai, les sapeurs, non? Ouais, en vrai, les sapeurs, ça peut être cool dans les decks, mais bon. Allez, le bûcheron. Le bûcheron, mon rêve. Allez, Bobby. Le bûcheron, mon rêve. Le bûcheron. Oh frère, il veut pas sortir le bûcheron. Il veut pas. Bon bah on va prendre électro sortie, les niveaux max. Bon, c'est abusé. Or supplémentaire plus 20 000. Je te jure, j'hésite à prendre les 20 000 or. Hein. Là j'ai le choix entre le frérot à gauche ou 20 000 or. Mec, 20 000 or, ça se prend frérot. Hein. Non, non, vas-y, les gars, on va prendre les cartes. On n'est pas là pour se faire de l'or. De toute façon, de l'or, là j'en ai 200 000. Après... Tu me diras, il y a ce deck que je joue. Si je veux un peu tout améliorer, les gars, tu sais quoi, je vais améliorer. En vrai, les gars, j'ai l'or. En vrai, j'ai l'or, donc autant se faire plaisir. Après, faut pas que je dépense non plus tout mon or, parce qu'après, je vais regretter. Hop là, électro-dragon niveau 12. Putain, ça fait plaisir. Prince ténébreux niveau 11. Par contre, là, je vais être trop fort, les gars, c'est pour les guerres de clan. Là, je vais être très très fort pour les guerres de clan. Ouais, vous voyez, là, j'ai plus que 100 000 or. Donc là, les gars, faut que j'arrête de dépenser mon or. Mais pour les guerres de clan, là, je vais être très fort. Parce que t'as vu, les guerres de clan, faut avoir 4 decks différents. Et faut que toutes tes cartes soient améliorées. Donc là, les gars, je vais avoir mon premier deck. Ah bah non, celui-là, je pourrais pas le jouer. Mon deuxième deck, qui est très très bien amélioré. En guerre de clan, j'ai mon troisième deck. Ah non, là, va falloir que je change la boule de feu, mais t'as vu, là, il y a tout niveau 11, niveau 12, c'est pas si mal. Et je joue ce deck-là aussi en guerre de clan, les gars. Eh, m'insultez pas. Eh, m'insultez pas. C'est, je joue un deck électro-géant barbare d'élite en guerre de clan, les gars. Juste à chaque fois, c'est les sorts qu'il faut que je change. Mais, ouais, ce deck, j'avoue que ce deck, j'ai un peu abusé. Mais, ça marche bien, au final, je gagne. Donc, voilà. Bon, allez, là. Là j'ai pas eu beaucoup de Valkyrie, hein. Je crois que j'en ai même pas eu. J'ai même pas eu de Valkyrie, par contre c'est abusé. L'artificière, elle est dans tous les coffres. La Valkyrie elle est jamais là. C'est abusé frérot. Hop là, 70 Joker, 19, 6, hop là le petit Joker légendaire. Du coup là on a ouvert combien? Là on a ouvert 5 coffres là les gars. Donc après celui-là il en reste 10. Ok, mais t'es mal artificière frère, c'est pas une blague, elle est tout le temps là frérot. Hop, les électrocuteurs, on prend. Bon bah, les chauves-souris, je les ai niveau max, on prend les squelettes. Putain, même la guérisseuse, elle est tout le temps là. Frérot, ça pourrait pas être la Valkyrie à la place. Mais en vrai, c'est abusé. En vrai, est-ce qu'il y a vraiment autant de chances d'avoir les cartes? Genre, est-ce que j'ai autant de chances d'avoir la guérisseuse dans un coffre que d'avoir la Valkyrie? Parce que j'ai pas l'impression, hein. La guérisseuse, je l'ai eu 1000 fois, la Valkyrie, 0. Mais on va prendre la guérisseuse, parce que le golem d'élixir, je le trouve vraiment nul. Ah, ça, je sais pas. Électro-dragon ou gobelin bar... Enfin, ou feu à barbare. En vrai, le feu à barbare, il est dard. Le feu à barbare, il est cool aussi. Vas-y, en vrai, je prends l'électro-dragon. Électro-dragon. Hop là. Ah, Forest Goblin, elle est cool. Eh, la Forest Goblin, elle est très sous-cotée, hein.
Eh, la Forest Goblin, elle est très sous-cotée. Le bébé dragon, il est dard, hein. Mais la Forest Goblin, je la trouve très sous-cotée, les gars. Je vous jure que ça peut renverser une game. Non, vas-y, on va prendre... On va rester quand même sur les bases. On va rester sur les bases. Je prends le dragon. Et en légendaire, s'il te plaît, Bobby le bûcheron, frérot. S'il te plaît, frère. Ouais, c'est abusé, frérot. Le fantôme royal, là, il est toujours là. Le molosse de lave, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse du molosse de lave? Il est claqué, frérot. Là, le pack opening, il fait comme ça. Hein. Ah, il fait comme ça, là, le pack opening. Je le vois. Hein. Heureusement que ce coffre, il donne des jokers. Hein, parce que sinon, je peux vous dire que j'aurais le seum. Allez là, régale-moi. Oh là là, Joker 25 sur 20, frère. Je vais pouvoir mettre toutes les légendaires niveau max. Allez, ah, de la Valkyrie. Pour une fois que j'ai de la Valkyrie, j'en ai que 6. Super, c'est génial. Je vais aller loin, je vais aller loin. Putain, c'est quoi ça? J'ai trop le seum. Méga Gargouille, ça c'est cool. Là, si on a de la TDE, j'aurais eu toutes les rares qu'il me faut. Y a pas de la T2. Ok, géant, ça se prend. En commune. Ah, le fur squelette, il est cool aussi. Non, je vais prendre électro-esprit. Électro-esprit pour cycler, il est toujours trop bien. Bouliste, bon bah il est niveau max, on va prendre du clonage, hein, pas le choix. En vrai, ça fait plein, je commence à avoir pas mal de cartes niveau max. Hein. Le miroir, il est claqué, ça dégage. On prend le petit feu à barbare qui est niveau 11. Et en légendaire. Le bûcheron, je vais pas l'avoir. On parie, il y a du fantôme royal. Oh, le bûcheron! J'ai rien dit, les gars! Mais hey, en fait, il faut que j'invoque le karma. Il faut que j'invoque le karma. Oh, le bûcheron, ça fait plaisir. Enfin, frérot. Enfin, je l'ai. Après, tu me diras, le bûcheron, sinon, je claque tous mes jokers dessus. Mais en vrai, j'avoue, c'est abusé, les jokers. Ça veut dire, dans chaque coffre, c'est comme si j'avais une légendaire. Bah, c'est celle que je veux, tu vois. Dans chaque coffre, c'est comme si j'avais la légendaire que je voulais. C'est abusé, c'est trop bien. Hop là, 6 jokers. Le petit joker légendaire. On est à 26 sur 20, mon gars. Je suis chaud. Allez, on continue. Oh là, chevalier ou gang de gobelins? Bah, chevalier en vrai. Hein. Chevalier en vrai. Voilà, là, c'est des choix de merde. Hein. En vrai, on va prendre. Non, on va prendre les fripons. Fripons, je trouve ça plus fort que les barbares. Ok, canon en défense, le canon c'est utile. Dans le deck 2.6, tu connais. En rare. Eh, ce choix, j'ai l'impression que je l'ai eu 1000 fois. Je l'ai eu 1000 fois ce choix. Guérisseuse golem d'élixir, il y est tout le temps. Et c'est abusé. C'est abusé, frère. Eh, premier coffre où j'ai pas eu d'artificière par contre. Bah putain, qu'est-ce que je prends là? J'en sais rien moi. Vas-y, tout à l'heure j'ai pris la guérisseuse, là je prends le golem d'élixir. Ok, électrocuteur, les électrocuteurs ils sont souvent là, mais en vrai je les joue. Donc pourquoi pas. Électro-dragon, ça part directement. Lui, j'aimerais bien, ça serait cool qu'à la fin de l'opening je peux l'augmenter au niveau 13. En vrai il y a moyen, parce que là j'en ai eu 25 encore. Allez légendaire. Putain, je vais pas avoir de bûcheron, encore le fantôme royal. Merde. Voleuse ou sorcière de la nuit? Vas-y, en vrai, voleuse. En vrai, la voleuse, je la trouve très cool. Ok, et ben on continue, les gars. J'ai ouvert combien de coffres là? J'ai ouvert combien de coffres? Oh, venez, j'ai une idée. Oh, venez, j'ai une idée, les gars. Ce coffre là, je prends que les cartes de gauche. Je prends que les cartes qui sont à gauche. Non, je vais avoir le seum. Attendez, venez, on regarde, venez, on regarde. Ce coffre, je prends que les cartes qui sont à gauche. J'ai combien de jokers légendaires? 27. Ça veut dire, là, c'est lui, c'est mon 8e coffre. Hein. Après lui, il m'en reste plus que 7. Hein. Ok. Attention, je prends que les cartes de gauche. Comme par hasard, je joue la fournaise et elle est à droite. Ok, je prends que les cartes de droite. Hop là. Oh non, mais les barbares d'élite sont niveau max. Je prends que les cartes de gauche. J'ai perdu mes couilles, les gars. J'ai perdu mes couilles. Vas-y, les gargouilles. Vas-y, je prends que les cartes de gauche. Alors. Magnifique, la machine volante. Très, très cool. Le PK, ça fait toujours plaisir du PK. Voilà. Voilà. J'ai trop perdu mes couilles. Et le pêcheur. Ouais, je prends le pêcheur. Ok, attendez. Non, venez là, je respecte.
Là, je respecte. Les gars, gauche ou droite? Gauche ou droite? Là, je respecte. Il me reste 7 coffres à ouvrir. Droite, ok, tout le monde a dit droite. Droite, 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 ok. Putain, le chat, tout le chat est de droite, hein. Bah super. Allez, c'est parti. Il me reste 7 coffres à ouvrir, les gars. Hop, 4600 or, ça fait plaisir. 70, putain, les jokers là, je commence à être pas mal, hein. Magnifique, joker légendaire, je suis à 28, mon pote. Ok, on a dit que les cartes de droite. Ça fait un peu chier, mais ça va. Ça va. Là, ça fait un peu chier, mais ça va. Là, ça fait méga chier. Mortier, frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Ok, là, ça va, c'est cool, c'est ce que j'aurais pris. Là, j'ai le seum. J'ai payé quand même, hein, pour ce coffre, hein. J'ai payé, les gars. Hein. Là, j'ai le seum. Là, j'ai le seum, je vous le dis. Là, c'est très cool. Là, c'est très bien. C'est très bien. Prince Ténébreux, on en a pas eu beaucoup. Je le joue, donc ça fait plaisir. Ok, fur à barbe. En vrai, les gars, vous avez bien fait de dire droite. Vous avez bien fait de dire droite. Allez, dis-moi qu'il y a un bûcheron à droite. Oh, le méga chevalier. Oh, j'ai le seum. Je joue pas méga chevalier, hein, mais voilà. Les gars, je suis pas. Je suis pas cancer, mais c'est juste que je trouve que c'est quand même une bonne carte. Oh, wesh, mon doigt il a glissé, frère. Oh merde, non. Oh merde. Oh merde, les gars, je suis désolé. Oh merde, j'espère que vous m'en voulez pas, les gars. Oh merde. Ah, j'ai glissé, gros. Oh merde. Bon les gars, allez, je fais les choix que je veux là, c'est bon. Allez, hop là. Petite légendaire magnifique. On est bientôt à 30 légendaires, 30 jokers sur, sur 20. Hop. Ah, cabane de gobelins ou cochon? Allez, cabane de gobelins, magnifique. Ok, les dragons squelettes, c'est cool. Putain, géant royal ou... Ah, gang de gobelins, ouais. On prend le gang, hein. Tu connais, frérot. Ah, charrette à canon ou forest goblin? En vrai, la charrette à canon, elle est dans mon deck fournaise cabane de gobelins. Donc je prends la charrette. Ok, les électrocuteurs. En vrai, le golem de glace, il est cool, mais les électrocuteurs, je les joue aussi. Là, j'avoue, j'en ai aucune idée, frérot. Ah là, les gars, ces deux cartes, vraiment, ces deux cartes, elles seraient pas dans le jeu, ce serait la même chose. Alors là, chasseur, bah chasseur apparemment. Vas-y, on prend chasseur, on prend chasseur. Et la légendaire, let's fucking go, le bûcheron. Ah, je suis content, je suis content. Petit bûcheron, ça fait plaisir. Et voilà, hop. Allez les gars, on continue, il nous reste 4 coffres en vrai en comptant celui-là, hein. Là, il reste lui. Après lui, il nous en reste plus que 3, hein. Ok, ok, ok. C'est parti, 19 jokers, 6 jokers. Le petit joker légendaire. On est à 30, mon gars. On est à 30 sur 20, frérot. Ok, un sort de foudre ou une sorcière? En vrai, je prends le sort de foudre. Charrette à canon, PK. En vrai le PK, ce serait cool de l'avoir, de l'améliorer. Surtout que là c'est pour niveau 13. Non, allez, charrette à canon, charrette à canon. Hop. Gargouille, on bombardier. On va partir sur les gargouilles. On continue. Oh, la TDE, ça fait plaisir. La TDE pour mon deck principal. Let's go. Oh là, ballon sort de rage. En vrai ballon, large, large ballon. Ok, électro-dragon. Ok, l'électro-dragon, je pense que je vais pas avoir ce qu'il faut pour l'avoir niveau 13, mais pas loin. Et ensuite, en légendaire, princesse ou cavabellier, on a déjà eu le choix tout à l'heure, on prend la princesse. Et ben c'est pas mal. Allez les gars, il nous reste 3 coffres. Il nous reste 3 coffres. Allez mon pote. Putain, les jokers communes, mon gars, j'en ai masse, hein. Joker rare, j'en ai pas mal.
Joker épique, c'est cool. Hop là, petit Joker. Les... Putain, mec, je suis à 31 sur 20. Électro-esprit. Oh. On va prendre les dragons squelettes, en vrai. On va prendre les dragons squelettes. Prince ou sorcière. Oh. Alors là, prince ou sorcière, on sait rien. Prince ou sorcière, les gars. Alors là, mon pote. En vrai. Putain, c'est con que je sois pas niveau 14, les gars. Parce que je crois que champion garanti dans ce coffre, hein, quand t'es niveau 14. T'imagines là, j'aurais été niveau 14. Mec, mes champions, ils seraient niveau max au moins. Putain, en vrai, j'ai le seum un peu. Vas-y, en vrai, on va prendre... On va prendre sorcière, en vrai. On va prendre sorcière. Ah, machine volante, ça, ça fait plaise. Choix de cœur, le golem. On va pas le prendre parce qu'il est niveau max. En plus, le gel, c'est magnifique. Le gel, c'est dans mon deck. Putain, ça fait plaisir. Hop, le PK directement. Et attention, la légendaire. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je ne sais pas, frérot. Peut-être du bûcheron. Nous avons pas de bûcheron. Le Zapi ou Cavabellière. Je sais pas. On va prendre le Zapi. J'ai dit, je sais pas. Puis en fait, je savais. Ok, les gars, plus que deux coffres. Plus que deux coffres, les amis. Ah, ça part vite, hein. Putain, ça part vite en vrai, bordel. Ça part très très vite. Hop là, petit joker légendaire. Oh, recrue. Oh, ça, j'en sais rien en vrai. Non, on va prendre les recrues royales. Les recrues royales, en vrai, je t'ai dit, il m'en fallait plein. Canon ou esprit de feu, on va prendre le canon. Les cochons royaux, en vrai, ils sont chauds, mais je les joue pas. Donc, gobelin sarbacane. Méga gargouille, ça, c'est parfait. La méga gargouille, frère, en direction vers le niveau max, hein. Je suis content. En vrai, ça, c'est trop satisfaisant, les gars, les packs opening. Tu vois toutes tes cartes augmenter un peu, tu vois. Tu te dis, putain, je me rapproche de l'objectif final. PK ou feu à barbare. Vas-y, on va prendre le feu à barbare. Oh là là, fais chier. En vrai, les gardes, ils sont cool, mais bon. Ça fait chier d'avoir eu 17 gardes. J'aurais préféré autre chose, quoi. Légendaire. Le bubu, le jeu, le rond. En vrai, hey, j'ai été mauvaise langue, hein. Je pense qu'on a eu au moins 3 bûcherons, hein. Le dernier coffre, les gars. Le dernier. Le dernier coffre, pour l'instant, fait voir. Et pour l'instant, en fait, je peux rien améliorer, les gars. Ce deck, je peux rien améliorer. Ce deck, je peux rien améliorer. Ce deck, je peux rien améliorer. Ben, il aurait pas été, il aura pas été très très concluant, le pack opening, là, j'ai l'impression. Non, j'ai le seum, en vrai. J'ai un peu le seum, là, non? Ok, 4600 or, ça fait plaisir. 70 jokers, 19 jokers, 6 jokers. Le joker légendaire, le dernier. Nous sommes à 33 sur 20, les amis. 33 jokers légendaires sur 20, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal, hein. Après, j'avoue, quand je vais utiliser mes jokers, ça va être pas mal, hein. Fuit à squelette. Fuit à squelette, c'est cool. Vas-y, la méga boule de neige. Bientôt niveau 12, la méga boule de neige. Bombardier ou... En vrai, bombardier. Putain, mon bombardier, frère, j'en ai 6200. C'est abusé, en vrai. Oh, cochon ou golem de glace? On va partir sur le cochon, plutôt. La fournaise, magnifique. La petite fournaise, bientôt niveau 13. Enfin, bientôt. Il y a encore un peu de chemin, mais on se rapproche. Oh là là, frère. Tout à l'heure, j'ai eu 17 gardes, j'avais le seum. Mais là, il y en a 25. Ah, vas-y, vas-y. Tu as ouvert que 14 coffres. Ah, il m'en reste un. Ah, il m'en reste un dernier. J'ai mal compté apparemment. J'ai mal compté. Je voulais ouvrir 15 coffres, apparemment j'ai mal compté. Donc ça fait plaisir. On va continuer, frérot. Hop là, le petit sorcier de glace. Allez, petit sorcier de glace. Allez, c'est parti. Apparemment il m'en restait un, les gars. Et au pire, on en a ouvert un de plus. C'est pas grave. Allez, les 70 jokers. Voilà, ça fait plaisir. Bam, 34 jokers légendaires. On a carrément dépassé. Ok, on va prendre le petit collier royal. Les flèches sont niveau max, on les prend pas. Putain, là j'ai des choix de merde, frère. Non, on peut pas terminer sur ça. Non, on va terminer sur ça, les gars, calmez-vous. Mais en vrai, là j'ai un peu des choix de merde. Ok, les recrues royales, ça c'est cool. Allez, en rare, s'il te plaît, de la Valkyrie, s'il te plaît. Wow, on termine sur une 3 bombes, quoi. En plus, je vais prendre la tour à bombe, hein, parce que l'esprit de guérison, pour moi, il est vraiment nul à chier. Donc, en plus, je vais prendre la tour à bombe, tu vois. Fin difficile.
Ah, on aurait dû s'arrêter sur le coffre d'avant. Ah, ah, merci, merci monsieur, merci monsieur, électro-dragon, d'accord, voilà, merci. Ok, électro-sorcier, je l'ai déjà, on va prendre le petit fantôme royal. Et ben voilà, les gars, c'est la fin de ce back opening, la Valkyrie, on va donner tous les jokers. Putain, mais j'ai même pas assez. Ah, j'ai le seum, j'ai même pas assez pour mettre la Valkyrie niveau 13, frère. Par contre, ça, voilà, ça, ça... Ça les gars, ça les gars, ça ça fait plaisir. Le gel niveau max, oh lolo lolo, le petit sort de gel au niveau 14, ça ça fait plaisir. En vrai les gars, on se rapproche hein. Eh, le niveau 14, je vous jure que c'est pour bientôt hein. Mais en vrai les gars, là j'ai mis 300€ dans un pack opening, mais c'est pas grave. Parce que vous là, vous avez déjà vu le tournoi au moment où vous regardez la vidéo. Moi je sais pas le tournoi d'Inox, où est-ce que j'ai atterri, si j'ai gagné ou pas. Mais dans le tournoi d'Inox, il y a pas mal de cash price. Là j'ai mis 300€. Je pense les gars que moi, comme je suis un monstre, je vais gagner le tournoi d'Inox. Donc je vais gagner plus de 300€ de cash price. Voilà, au final mon pack opening est remboursé par le tournoi d'Inox. Donc en vrai j'en sais rien. Mais normalement j'ai les capacités d'aller loin, donc de gagner pas mal d'argent. Let's go. Mec, Inox il met des cash price maintenant sur ses tournois. Il a géchant. Putain, fait chier. Fait chier en vrai les gars. J'aurais pas pu améliorer ma Valkyrie, ma TDE. Putain, je pensais que ça allait plus augmenter que ça hein. Je pensais que ça allait plus augmenter que ça. Après je pourrais utiliser mes jokers épiques pour le donner à l'électro-dragon. Mais je vais pas le faire les gars, parce que si ça se trouve dans 2 semaines la méta elle va changer, l'électro-dragon il sera plus très fort, je vais trouver un nouveau deck où il y aura une autre épique qu'il faudra que j'augmente. Donc en vrai pour l'instant je garde mes jokers. Peut-être dépenser les jokers légendaires, non? Attendez, je vais mettre un peu de jokers légendaires dans le bûcheron. Parce que même si j'ai trop de jokers légendaires, ça fait rien. Je suis pas rassuré. J'ai l'impression un jour ils vont faire une mise à jour. Ils vont dire, hey, toi t'as 34 sur 20, on t'en enlève 14. Comme ça t'as 20 sur 20. Tu sais, ça me rassure pas d'en avoir trop. Hop là, le bûcheron au niveau 12. Et hop hein. Mais mec, je lui mets 10 jokers légendaires et c'est même pas... j'ai même pas tout dépensé là, il m'en reste. Quel légendaire doit être amélioré? En vrai, je vais donner à qui? Hop, tiens-toi, fais-toi plaisir. Je vais même l'améliorer, le méga chevalier, frérot. Hop là, niveau 11. Et 6 jokers légendaires, voilà. Voilà, comme ça je dépasse pas. Comme ça je dépasse pas les gars. Et ben magnifique. Magnifique les frérots. Bah merci d'avoir suivi ce pack opening. En vrai, vous avez kiffé ou pas? Vous avez kiffé ou pas les gars? Ouais, c'était cool hein. Ouais, c'était cool, c'était cool. Bah moi je vais devoir y aller, il est 15h40. J'avais dit je partais à 15h30. Donc j'ai pas envie d'arriver en retard gros. Bref. Les amis, merci d'avoir suivi ce pack opening, j'espère que vous avez kiffé. Moi je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à ce soir sur le live d'Inox. Les gars, live d'Inox ce soir 20h30, c'est 20h30 le tournoi d'Inox, c'est assez tard. Mais voilà, 20h30 tournoi Clash Royale d'Inox. Donc on se dit à ce soir sur son, sur son live. Et voilà, des gros bisous, merci d'avoir suivi ce pack opening, vous êtes les boss. Ciao l'équipe, bisous les gars, bisous à tous.